ma présence ici au Maroc, c'est pour assister. D'abord, on assiste à l'inauguration de la salle de cet espace de la Fondation Hassan II. Bon, c'est une nouvelle salle qui a été inaugurée avec mon exposition. Donc, on m'a fait appel et j'ai inauguré cette salle avec cette exposition. Vous voyez bien que c'est une salle très belle, elle est aux normes européennes. Rabat a besoin encore et encore de plusieurs salles comme celle-ci. Parce que maintenant que Sa Majesté a donné que Rabat, ça sera la ville culturelle du Maroc et tout, ça tombe bien cette inauguration de cette exposition. Moi, j'ai toujours travaillé la femme, le corps de la femme, depuis que j'ai terminé mes études à Bruxelles. Parce que moi, je suis établi depuis des années à Bruxelles, mais ces dernières années, je rentre fréquemment, étant donné que la situation culturelle au Maroc bouge énormément. Donc, j'apporte ma pierre à l'édifice qui est vraiment cette évolution culturelle que le Maroc vit. Chacun a ses expériences et chacun forge une histoire propre à lui. Il n'y a pas vraiment une fondation qui regroupe les Marocains, que soit parce que maintenant, à l'étranger, il n'y a pas que cette période passée des années 60-70 sont déjà une autre génération, mais actuellement on assiste à d'autres générations, de deuxième et troisième génération, qui sont partout. On peut le trouver, sont des profs d'université, sont des chercheurs, sont dans le business, sont des commerçants. Donc, et le culturel aussi, il y a énormément des écrivains, il y a des cinéastes et tout. Donc il y a une évolution et c'est pour ça que moi j'ai je suis parti avec ce projet-là parce que c'est une plateforme qu'elle va aider ces Marocains qui vivent à l'étranger de trouver un espace ici. Qu'avant c'était la destination de la fondation, c'était écouter les Marocains qui travaillaient dans les années 50, 60 et tout, et les aider dans les tâches qui étaient difficiles à l'époque, le transit et tout ça. Mais maintenant le culturel, c'est aussi, il y a un vide. Et c'est pour ça que cette fondation, vraiment, elle est utile. Je trouve qu'elle est utile et elle va rendre service énormément à ces Marocains de deuxième ou troisième génération. La situation de la femme marocaine, je peux en parler dans le sens que moi je vis les deux sociétés, donc je vis la société occidentale, comment elle évolue, elle évolue aussi, hein. Le marocain aussi, mais elle évolue. Certainement, il y a un peu de. Il faut avoir le courage pour aller contre l'ordre établi ou pour des idées conçues ou des choses non dites. C'est vrai, il faut avoir le courage. Et cette femme-là, qui est la Marocaine actuellement, elle a ce courage. Mais je crois qu'elle a fait des pas énormes quand même. Hein. Et il faut le souligner. Elle ne traîne pas les pieds. Non, non, non. Elle a beaucoup à dire. Et c'est vrai, le changement, je le vois constamment.